Les Julicius. Voilà, ça commence. Les filles sont en train de se préparer. Le stress commence, hein, tout simplement. Diane a été malade pendant la nuit. En gros, il est 8h42. On a reçu déjà des messages nous disant que vous étiez déjà. Qu'il y avait déjà des gens devant le Sephora. J'ai vu qu'il y avait des barrières sur la photo qu'on m'avait envoyée. Enfin, qu'on m'a tagué en fait. Voilà. Moi, je vais me maquiller. Me coiffer. Ah, mais vous entendez Sana qui s'est brûlée. Ah non, mais là, ça commence à me faire mal. Mais mets de la graisse. Mets de la crème. L'épaule. Mets de la crème, je te dis. Calme-toi. Ça sert à rien de t'énerver. Plus tu vas t'énerver, plus tu vas perdre du temps. Tranquille, mets de la crème. Je vais aller régler ça. Ça se prépare comme ça par ici. Et ça se prépare comme ça par là. Salut! Comment tu te sens? Un peu paniqué par le temps. On est large. Et toi, comment tu te sens? Moi, je suis trop stressée. Je sais pas si je vais tenir. Et moi, je me sens en bleu. Mais ma robe, elle me pique, en fait. Elle me pique. Mais le truc derrière, c'est nickel. Hein. On voit pas ton soutien, c'est génial. Voilà. Mais je sais pas si je mets mes talons ou si je reste comme ça. Moi, j'ai talons. Oh. Mais... Ok. Bon, et ben, nous sommes ready. Ready pour y aller. Ça en a assez dans le... Ça va, comment tu te sens? Plus stressée que tout à l'heure ou moins? Maintenant que t'es prête. Un peu quand même. Voilà, donc c'est pas le top. C'est pas le top en vrai, c'est tout. Jen Jen, toi t'es comment, t'es stressée? Un petit peu. Je ferai un malaise. Grave. Et elle a dit Shrel, je ferai un malaise. Puis voilà. Et puis ben, let's. Donc c'est parti, on est prête. On sent le stress de Sanas. Sanas. Sananas. Peekaboo, nous on est cool. Limite on sera là, on était comme petit cocktail. Ça serait pareil, tranquille. Moi, je parle pas sur mer. Tu sais à quoi ressemble sur mer? Ah merde. Je suis encore en stress. T'évanouis pas. On n'a pas pris de sucre au aller, cas où. Non, ça va aller, c'est juste quand j'y serai, ça ira mieux. Mais vous avez déjà dit que la foule, c'est quelque chose qui... Hop, ça commence la première de la journée qui nous croise devant l'hôtel. Non, rien. Tu m'as dit oui. Tu veux maintenant? Si tu veux. Maintenant.
Alors ça, c'est Nadia de Marseille. Oui, coucou. Vous vous souvenez dans le vlog de du nanas. Voilà. Du nanas. Avec Marmara. Qui est super gentille. J'ai pas la mienne. Elle va nous faire des cadeaux. Regardez, c'est une moustache. J'ai perdu la mienne. Oui, j'ai perdu, j'étais malheureuse. Ah ben, alors je vais la mettre tout de suite. Bon, mais je vous laisse tranquille faire les photos. Oui. La queue de malade. Et voilà. Alors, je suis nulle. Comment elle s'appelle? Abeille. Comme ça. En fait, on est venu de Marseille, on a fait 2 heures de route, puis on t'avait ramené 2 cadeaux. Le premier c'était un sac, le deuxième c'était un tampon. J'ai vomi dessus. Dans la voiture. Oh. Est-ce que le sac ananas? Ouais. Est-ce que le sac ananas? Et puis il y a trop de monde, on a un peu faim. Donc tu nous excuseras? On a un peu faim, donc tu nous excuseras. D'accord. On va aller manger. Ok. Merci. Bisous. Oui, hey, il est délicieux. Donc là, on a abandonné Sana au meet-up. Il y a du monde. Des bisous, on a fait. On est parti juste se reposer les pieds un petit peu et boire un verre. Parce que là, voilà. Merci. Salut. C'est le serveur qui fait coucou. Et là, on a Boubou. Trop adorable. Grave, trop chou. Vous êtes trop chou, les cadeaux, mais les trucs, bisous, les amours, les photos. Bisous. Les photos et voilà cool. Voilà, on dit les derniers au revoir. Allez, il cache Sana, faut pas qu'on la prenne. Ah non, c'est la pluie. Il y a cache Sana, faut pas qu'on la prenne en photo. Merci les filles, il a caché la pluie. Merci pour tout. Merci pour tout. À bientôt. Merci. Yeah, I'm okay. All the women were like, wow, thank you. Hey, donc coucou. Là, on vient de quitter la chambre. Le meet-up est terminé. On a tout posé, les affaires. Là, on va aller chercher à manger. Donc, on vient de quitter la promenade des Anglais qui est derrière moi, si vous la voyez. Et on avance un petit peu vers le centre-ville, vers la place Masséna. Et puis, voilà. On sent un petit peu que la tension, l'adrénaline est redescendue. Les filles, elles ont l'air un peu KO. Voilà. On va aller chercher à manger. Miam! Maman, pardon. Ah, oh, t'avais pas vu les statues en dessous? Ici, les petits boules d'eau. On va faire un petit tour de train. Voilà, des pâtes aux gambas. Finalement, on a retrouvé le restaurant Empire dont nous avait parlé une abonnée. Et donc voilà. Moi j'ai pris des pâtes aux gambas. Boubou elle a fait sa salade parce qu'il y a un bar à salade. Juste là tu choisis et tu mets tes ingrédients. Et là, Sana elle a pris des pâtes aubergines, c'est ça? Ouais, pâtes okay. Aubergines confites. Très bien. Voilà. Ben ouais, on prend en différentes façons et. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas partager? On est de retour, je suis de retour. Il est 23h je crois. On s'apprête à sortir, on va aller du côté de Monaco. Les filles sont en train de faire des photos là-bas. C'est un désordre monstrueux dans cette chambre. Demain, il va falloir tout ranger pour partir. Moi, je ne suis pas de la première fraîcheur, on va dire que je suis de la seconde fraîcheur. Je me suis un petit peu reposée. J'ai dormi un peu. Diane, elle est défaite. Moi, je suis défaite, défoncée. Elle est au bout de sa vie, tu vois. Voilà. Et puis, sa nanas a pris des vitamines. Donc, elle est sous excipient. Elle est sous excipient. Donc, voilà. Moi, j'ai pas emmené la caméra avec moi parce que je sais pas encore comment on va finir. Voilà. Donc, j'ai pas envie de vous perdre la caméra.
Et puis je vous raconterai demain tout simplement. Et puis demain on reprend la route pour une nouvelle aventure pour rentrer à la maison. D'un côté c'est triste de se dire c'est fini nanani, mais d'un côté moi je suis contente. Je serais contente de rentrer à ma maison quand même. D'aller dans mon grand lit, de dormir un petit peu. Ma maison me manque un petit peu. Mon canapé. Voilà. Enfin mon canapé. Peut-être l'odeur de ma maison quoi, je veux dire. Voilà. Mais sinon c'est dommage. Il n'y aura plus ces deux énergies même dès le matin qui sont un peu endormies avec moi et que je fatigue, que je dis bonjour tous les matins, qui font des photos tout le temps. Voilà. Je parle d'elle, hein, au cas où vous n'avez pas trop bien compris, les deux filles là-bas. Voilà, c'est tout. Et puis, ben, alors, à tout à l'heure. Hein. Bisous.